Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 41 de la Jeep de Tintin. Donc, numéro 41, le détail de nos pièces. Construisez la Jeep objectif lune pas à pas. Et moi, je rajouterais sans vous presser, parce que là, ça commence à faire long. Et on n'en est qu'au 41. Bon, enfin bref. Donc là, on va s'occuper du filtre à huile. Donc, nos pièces. Et puis, pour ne pas déroger à la règle de cette collection, un tout petit pas à pas. Tellement petit qu'à mon avis, ils ont été obligés de grossir la taille de l'image afin de, au moins, au minimum, d'avoir deux pages pour ce fascicule. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Bon, alors ici, on va avoir notre résultat final. Et puis, petite vue du numéro 42. Je pense qu'on va faire un peu comme le numéro 41 et comme tous les numéros depuis le début de la collection, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, enfin bref. Allez, on est parti pour le montage. Donc, alors, on va prendre notre pièce A, que voici. Alors, il s'agit de la tenir. D'un côté, on a deux trous. Ces deux trous doivent être placés vers le haut. On va prendre notre capuchon. Alors, je pense que ça doit être celui qui a le trou. Parce que si on a deux capuchons. Ouais. Ouais, ça, c'est pas malin. Bon, je pense que c'est celui qui a le trou. Alors, on va venir le placer en bas, ici. Voilà. On l'emboîte comme ceci. Ensuite, on prend le deuxième que l'on vient emboîter en haut. Voilà. Bon, de toute manière, si c'est l'inverse, il y aura juste à venir le déclipser. Quoique ça va peut-être pas être évident. Enfin. Ensuite, on va venir prendre notre pièce D. Alors là, la pièce D, attention parce qu'elle est vraiment, vraiment toute, toute petite. Alors, sur cette pièce D, ça va pas être évident à montrer, mais on a un picot d'un côté et un trou de l'autre. On va venir prendre la partie qui a le picot et on le rentre, hop, ici, donc au niveau de nos deux trous, et c'est le trou qui est en haut. Ça, c'est un coup à ce que ça parte. Voilà. Non, même pas. Hop, reviens ici, toi. T'en vas pas. Mais sérieux, ils sont obligés de nous faire des pièces comme ça. Alors, est-ce que ce serait en demi-lune? Ouais, bon, c'est bon. Je pense pas que ce soit en demi-lune. Là, franchement, ouais, c'est quand même un peu abusé. Je sais pas si je vais arriver à vous zoomer. Mais enfin, voilà. Alors là, j'ai une pensée particulière à tous ceux qui ont des gros doigts, là. Alors, pour venir la placer, cette pièce, je les plains et je leur souhaite... ils ont tout mon soutien. Waouh. Bon, allez, on va prendre notre pièce E pour l'étape 4. On va venir la positionner donc comme ceci. Donc, il y a 4 trous qui vont aller normalement sur les 4 picots de notre pièce. Voilà, c'est bien ça. Et puis, donc,
ici, là, au centre, on a un trou pour une vis AS4. Voici qui est fait. Donc, on passe le tournevis par-dessus la barre, hein, pas par en dessous. Parce que sinon, c'est vraiment pas faisable. Donc, petit serrage, hein, c'est pas la peine de serrer comme un malade. Alors, dernière étape, on a une durite que l'on va rentrer donc ici sur notre pièce que l'on a positionnée juste avant. Alors, est-ce que ça rentre bien comme ceci? Eh ben, je vous le dis, non, ça rentre pas terrible, hein. Allez, on va le faire avec la pince. C'est déjà, ça va être un peu mieux. Alors, est-ce qu'on aura besoin de mettre de la colle? Ça va être la question. Alors, hop, on va recommencer. J'ai pris mes lunettes loupe. Ah, ça va mieux avec les lunettes loupe. Hein. Bon, alors voilà, c'est en place. Est-ce que ça va bouger? Bon, ça n'a pas l'air. Hein. Ah, si, quand même. Bon, je verrai si je mets un petit peu de colle, histoire que ça ne sorte pas. Parce que, alors ça, les durites, hein, autant il y en a qui les mettent pas, et je peux les comprendre. Mais une fois qu'elles sont en place, en fait, elles ont tendance à partir. Bon, enfin, voilà. On aura quand même fait le montage entier. Bon, un filtre à huile. Bon, bah écoutez, numéro 42, on viendra le mettre en place sur le moteur. Bon, c'est vrai que le moteur, ça fait un petit moment qu'il est de côté. Donc, ouais, c'est sympa. On va pouvoir avancer un petit peu sur autre chose. Bon, mais doucement, hein. Surtout, faut pas déroger à la règle de la collection. Vraiment, doucement, tranquillement. Hein. Pff, ouais, c'est vraiment, vraiment abusé quand même. Là, qui est dans une collection qui ait quelques numéros où il n'y a pas grand-chose à faire, ça, c'est une habitude. Mais alors là... ça devient une habitude sur la collection. Hein. Bon, enfin bref, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.